vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est comme ça que chaque matin, chaque soir, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder devant vos petits écrans, devant vos télés, devant vos tablettes, devant vos téléphones. Quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder? Quand je me présente devant vous, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Ça fait une semaine que je ne me suis pas présenté devant vous. Vous avez été nombreux à m'appeler pour vous inquiéter, pour me demander, pour gaucher à droite. Non, c'est pour des raisons indépendantes à ma propre bonne volonté. C'est la vie en exil. Ceux qui ont peut-être fait déjà l'exil peuvent vous en témoigner. Ce n'est pas facile. À la fois journaliste, à la fois cuisinier, à la fois étudiant, à la fois ceci. Donc, quand on met un peu le tout, ça est déjà un peu compliqué. Donc, une série de tests, d'examens qu'on faisait. C'est d'ailleurs ce qui m'a empêché de... Alors que je l'avais promis ici, dans une de mes émissions, que je serais à la manifestation à Bruxelles. Je l'avais dit, donc j'ai une série d'examens à passer. Si le tout se passait bien, je serais donc là-bas. Donc je n'ai pas pu me dégager. C'est comme ça que je n'étais pas parti. Donc c'est un peu lié à tout ça. C'est un peu lié à toutes ces autres obligations auxquelles je suis soumise, qui ne m'ont pas du tout permis d'être devant vous et de pouvoir vous passer cette émission. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Parfois, dans ma situation, les choses arrivent non pas parce que vous les voulez ou que vous les souhaitez, mais c'est comme ça. C'est comme ça, donc comprenez-moi. Et autant je vous ai manqué, certainement, beaucoup m'ont écrit, autant... vous aussi, vous m'avez manqué. Ceux qui parlent avec moi savent que je ne dis pas des choses en l'air, je ne suis pas un flatteur. Et quand je vous dis les bons moments, c'est aussi quand je suis avec vous, parce que là, je sens la chaleur, l'amour, et ça me fait énormément plaisir. Je sais que nous avons énormément de contradictions, nous en aurons aussi peut-être aujourd'hui. Mais ça me fait plaisir de savoir que 4000, 3000, 5000, 2000, 1000, autant de personnes arrêtent tout ce qu'ils ont à faire ou ce qu'ils étaient en train de faire, se branchent pour te regarder, te font confiance, commentent tes lives. Et moi, ça me fait énormément plaisir. C'est à la fois des moments de partage, mais aussi des bons moments d'évasion. Donc, si je ne viens pas devant vous, c'est vraiment, vraiment pour des raisons qui ne sont que indépendante à ma propre bonne volonté. Donc, je suis très heureux de vous retrouver. La dernière émission, je l'avais faite samedi. Ça fait donc une semaine qu'on n'a pas eu de face à face. Je vous retrouve aujourd'hui très, très souriant et très content. Je suis très, très heureux de vous savoir nombreux. J'espère que c'est également le cas pour vous. Très heureux de savoir que vous êtes là en train de m'entendre et en train de me regarder. Nous sommes samedi aujourd'hui. Je voulais vous souhaiter à vous tous bon week-end. Et encore une fois... passer mon message que j'ai l'habitude de passer souvent quand je fais des émissions le week-end. Je sais que le week-end, c'est des moments de décompression, c'est des moments de calme, c'est des moments de ouf, on va respirer. Oui, faites-le, vous avez le droit. Peut-être la semaine a été très très chargée, mais j'ai toujours dit la décompression, la détente, elle est toujours importante lorsqu'elle se fait de manière responsable. Et pour moi, la responsabilité, c'est de faire que votre détente à vous ne puisse pas nuire à autrui. Donc, si vous prenez le volant, ne prenez pas de la bière, ne prenez pas de l'alcool, soyez prudent. On a énormément besoin de vous. Ne vous mettez pas vous-même en danger. Ne mettez pas aussi autrui en danger. C'est extrêmement important. Et que nous devons
à nous protéger les uns et les autres. Bienvenue donc à vous tous à ce nouveau numéro. Décrit Info est un magazine d'opinion dans lequel on vient, on prend des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines chez nous au Congo. Nous les mettons sur la table, nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens et une forme selon nous. Et Zali Ndenge Balobaka na Lingala, le Lenge na biso ako Banza, le Lenge na biso ako Kanisa, puis le Lenge na biso ako Mona Makambo. Ndeto ya kako Kabola na Itandoike na Nzela ya Manaka Oyo. Donc je suis très très heureux, je l'ai dit et je le répète, on n'a pas besoin de se rentrer dedans, on n'a pas besoin de diverger à outrance, on n'a pas besoin de s'insulter pour des questions liées au point de vue. Personne, alors personne ne peut pas imposer son point de vue. Si le bon Dieu lui-même ne pouvait pas, ne peut pas imposer son point de vue, à combien plus forte raison nous les humains nous pouvons imposer nos points de vue? C'est pas normal, c'est pas du tout normal. En matière d'opinion, en matière de point de vue, il y a Makasi Zalakate, il y a Likolo Zalakate, Zambia Lobaki, je me tiens devant la porte, je frappe. Dieu n'est pas dictateur, il n'est pas venu na nenga ya buluye ki na nenga prenge ndunde to bana bandal, ay na nenga lo inga kotite tete tete tete. Tempo a tchena se akota ki na nenga kimia o senga nzela, so ki nzamba osa nenga na combien plus forte raison. Nous les humains donc Tommy Boma na bisote. À parlant de Dieu, j'ai suivi quelqu'un parler de pasteur Marcelo. Non, je ne vais pas rentrer là-bas, je vais juste dire ça en passant. Mais la réflexion, elle était tellement importante. Ça m'avait échappé quand j'ai balancé, je ne sais pas si c'était ici, la réaction des pasteurs Marcelo. Après le tollé qu'il a soulevé dans l'affaire des Papa Wimba et des autres. Je sais qu'on en a parlé, c'est vraiment en passant parce que j'ai vu ça et ça m'a quand même... Le pasteur Marcelo, dans sa réplique, dans cette affaire de Papa Wimba, le pasteur Marcelo dit que je ne veux pas retirer ce que j'ai dit. Je n'ai dit que tout haut, tout ce que tout le monde dit, tout bas. Makambo, on a levé ça, Makambo, on a dit tout haut. Maintenant, la personne que je regardais, Pamela, que je connais d'ailleurs, il a posé une question assez intelligente au pasteur Marcelo. Il dit, mais si le pasteur Marcelo dit qu'il n'a fait que dire tout haut, tout ce que nous tous nous disons tout bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui lui avait demandé de dire. Or, quand vous regardez la première vidéo de pasteur Marcelo mise en cause, le pasteur Marcelo dit, le Seigneur m'a parlé de l'esprit de ceci. Donc ce n'est pas lui, c'est Dieu. Dieu lui a dit qu'il y a l'esprit de Papa Wemba, Dieu lui a dit qu'il y a l'esprit de King Kester et Mené à Tralala. Mais dans la réponse, dans la réplique qu'il donne, il dit, je ne fais que dire tout haut, tout ce que vous dites tout bas. Donc là, ça quitte le champ de Dieu, d'une vision de Dieu pour devenir une vision humaine. Ça, c'est une réflexion importante que j'ai vu Pamela Tekassa là, je crois. Pamela Tekassa l'a fait. Je me suis posé la question, j'ai dit, mais ah oui. Parce qu'au départ... La vidéo mise en cause disait « Dieu m'a parlé ». Après, la réponse dit « Tout ce que vous dites ». Donc, il vient nous rapporter des choses au nom de Dieu alors qu'ils ont mettez, il y a à boire et un peu à manger dans ces histoires des pasteurs. Je ne veux vraiment pas toucher à votre foi. Je l'avais encore dit la dernière fois. J'ai dit « Bon, je ne m'attaque pas au pasteur Marcelo. C'est quelqu'un que je respecte. C'est un des rares que je regarde. Mais quand il y a une question de donner le point de vue, le pasteur Marcelo, autant que moi, autant que Félix, autant que tant d'autres, il ne peut pas m'empêcher, moi, d'opiner, d'épiloguer autour des questions d'actualité dans mon pays. Et quand il se met lui-même dans l'actualité, donc il ne peut pas nous empêcher de pouvoir y aller. Il ne peut pas nous empêcher de pouvoir y aller. C'est d'ailleurs pour ça que nous partons à l'école, pour apprendre à relayer ça, pour apprendre à soulever des questions sur ce qui se passe. Et ça s'appelle du journalisme. Donc voilà, c'était juste un passage. Je ne voulais pas trop m'attarder là-dessus pour que vous ne me tiriez pas les oreilles en me disant « Tu nous prends énormément de temps, tu nous prends énormément de ceci, énormément de cela. » Surtout que ça fait une semaine qu'on n'était pas ensemble. Aujourd'hui, je vais immédiatement aller dans mes sujets. Mais avant tout, deux, trois choses. Si vous êtes des habitués de cette émission, vous connaissez. La première des choses que je voudrais ici, la main sur le cœur, vous demander, c'est de pouvoir vous abonner. Regardez votre voisin, votre voisine, votre femme, votre fils, votre fille. Si il n'est pas encore abonné, s'il vous plaît, demandez-lui de pouvoir le faire et moi, ça me fera énormément plaisir. Nous sommes encore à 103 000 abonnés, c'est beaucoup, c'est énorme.
dépassé la barre des 100 000 abonnés. C'est tout simplement magique. Et là, nous sommes à 103 000 abonnés. Je voudrais encore une fois de plus vous demander de pouvoir vous abonner massivement et de faire l'évangélisation pour le compte de CPL. Vous ne savez pas, c'est une marque de confiance, c'est une marque d'encouragement de votre part. Ça peut paraître insignifiant pour certains, mais pour nous, ça nous touche énormément de savoir que vous êtes nombreux à travers le monde. Vous nous faites confiance et vous vous abonnez sur notre chaîne. Donc, abonnez-vous massivement à notre chaîne CPL Télévision. Nous avons aussi d'autres canaux, d'autres plateformes sur les réseaux sociaux via lesquels vous pouvez nous joindre. Allez par exemple vous abonner aussi sur notre page TikTok Perro Louara. Là, nous sommes aussi là. Vous pouvez aussi faire un tour sur notre page Facebook. C'est Perro Louara officiel. Là, c'est magique. Je suis à 136 000 abonnés. Merci beaucoup. Donc, allez aussi vous abonner sur cette page-là. Abonnez-vous aussi sur mon compte Twitter, c'est Perro Louara 1. Là aussi, vous pouvez donc avoir des informations et vous pouvez avoir de mes nouvelles là-bas. La deuxième des choses que j'allais vous demander, c'est de pouvoir liker la vidéo que vous regardez. C'est important. Ça, c'est une sorte de parapluie. C'est une sorte de parade que vous nous donnez contre les attaques, contre les mauvaises intentions des personnes qui ne veulent pas qu'on leur dise la vérité telle que nous les disons. Donc, aimez la vidéo que vous regardez et partagez-la. Ça nous met à l'abri et ça nous fait énormément de bien. La troisième des choses, c'est de vous dire d'appeler notre amie Judith Londolé Betoko Betokos. Judith Londolé Betoko Betokos Betoko Lilo. Moulatisiki Toko Bilamba Kitoko Yemoko Kitoko. Judith est donc notre partenaire très très privilégié. Elle est patronne d'une boutique qui s'appelle La Londoloise. Elle est spécialiste en habillement homme. Veste, chaussures, cravate, chemise, tout ce qui concerne l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. D'ailleurs, il y a encore des vestes dans son stock. Regardez. Nos amis de la régie sont en train de vous montrer toutes ces vestes que vous voyez. Si elles vous plaisent, vous pouvez donc les commander chez notre ami Judith Londolé, Betoko Betokos, Betoko Lilo. Elles sont tout simplement magnifiques. Les tissus, les couleurs et le design. Partout où vous êtes dans le monde, si elles vous plaisent, n'hésitez pas à appeler Judith Londolé, Betoko. Vous pouvez vous arranger. Judith trouvera toujours un moyen de vous faire parvenir vos colis. Son numéro, c'est +33 62 60 70 772. +33 62 60 70 772. Donc, appelez +33 62 60 70 772. C'est donc le numéro de notre ami Judith Londolé, Betoko Betokos, Molatisiki Toko Bilamba Kitoko Yemoko Kitoko. Allez, retour sur ce plateau. Je suis venu pour parler de deux, trois petites choses. Je sais qu'aujourd'hui encore, il y aura des gens qui ne seront pas d'accord avec moi. Il y aura des gens qui ne verront pas les choses comme moi. Moi, ça me fait pas mal. Je l'ai toujours dit. Ici, je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas un évangéliste. Je n'ouvre pas la Bible pour que vous, à la maison où vous êtes, vous dites, pour que vous me répondiez oui et amen. Non. Ce que j'ai dit, je l'expose aux propos, aux étampris de vos critiques. Parce que d'ailleurs, moi-même, je reste convaincu que du choc d'idée, la lumière, alors la vraie lumière finit toujours par jaillir. Je ne viens pas non plus aussi pour bercer les gens. Les choses doivent être claires. Mon objectif en venant ici, ce n'est pas de faire plaisir aux gens. Mon objectif, c'est de donner mon point de vue. Décrit Info est juste un magazine d'opinion. C'est mon opinion personnelle que je donne. Et c'est comme ça que dès le départ, je prends toujours des dispositions pour vous dire, ne nous rentrons pas dedans, c'est une opinion personnelle. Aujourd'hui, il se confirme de plus en plus, et maintenant confirmé, que Martin Fayulu Madidi va déposer sa candidature la semaine prochaine. Je l'avais annoncé ici. Madidi va déposer sa candidature la semaine prochaine. Et il a écrit à la Commission électorale nationale indépendante pour que la CENI lui donne une dérogation afin de permettre aussi à ses députés qui n'ont pas déposé de candidature de pouvoir déposer leur candidature. Incroyable. Je ne sais pas par quelle magie on va suivre. Je vous donnerai la réponse de la CENI. Mais cette question des députés était parmi des points d'achoppement dans les pourparlers qui sont en cours entre Martin Fayulu et Félix Tshisekedi. Je vous regarde droit
droit dans les caméras et je vous dis que Martin Fayoulou est en pourparlers avec Félix Tshisekedi. Que vous l'aimiez, que vous l'acceptiez ou pas, c'est une vérité. Fayoulou, c'est mon grand frère, c'est mon vieux, il sait que j'ai dit la vérité. Beaucoup de proches de Fayoulou m'ont appelé pour me donner raison. Je ne veux pas exposer les gens ici. Laissons le temps au temps et vous comprendrez. Je l'ai dit et je répète que Martin Fayoulou prend langue, a pris langue, parle en secret avec M. Félix Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, je vais aller encore un peu plus loin en vous donnant les points focaux, en vous donnant un certain nombre d'éléments sur les réglages de leur deal. Et je vais parler aussi de cette manière assez faible que je trouve assez désastreuse dans le leadership de M. Moïse Katumbi Tshapwe. Vous savez que depuis un temps, ça brûle un peu au sein de l'Ensemble pour la République. Jacky Ndala a dit, tel a dit, tel a dit. Moi, je vais aller un peu plus loin en démontrant que cette situation est une preuve qui met Moïse Katumbi dans une très mauvaise posture. Et si Katumbi laisse faire, si Katumbi nous donne l'impression de ne pas avoir le contrôle de ses propres soldats, si Katumbi n'affiche aucune fermeté avec ses propres éléments, s'il n'y a aucune organisation au sein d'ensemble qui est un parti politique, si Katumbi ne sait pas taper du poing sur la table au sein de sa propre maison, au sein de sa propre famille politique, vous pensez que Katumbi sera un bon président de la République? Les images que les cadres d'ensemble là nous montrent, mais laisse pantois. Le Congo a des sérieux problèmes. Le Congo a besoin d'un leadership fort. Le mal dans lequel se trouve le pays, le gouffre est tellement profond que nous n'avons pas besoin de leadership, des compromis. Il n'y a aucun compromis à faire avec le mal. Toute autorité, tout leader qui viendra au sommet de ce pays avec l'idée de faire des compromis, ça ne marchera pas. Nous avons besoin d'une main de fer qui fera la différence entre le mal, qui établira la frontière nette, claire, entre les antivaleurs, le mal profond dans lequel nous sommes plongés, et le bien, et la vision claire là où il veut nous amener. Mais si déjà dans son propre parti politique, Katumbi n'a pas la main ferme, alors ça commence à nous laisser quand même pantois sur ses capacités. Je parlerai de ça, et je reviendrai sur plusieurs autres questions. Mais bien avant, laissez-moi d'abord vous diffuser ces images. J'ai vu encore un autre spectacle éhonté. Les députés provinciaux de la République, le collectif des députés provinciaux, ils sont allés dormir à la primature. Ils sont allés dormir à la primature. Ça fait 4 mois qu'ils sont payés dans certaines assemblées provinciales, un peu plus. Ils sont allés chez le Premier ministre réclamer de l'argent. J'espère que j'ai ces images-là, non? Nos amis de la régie. On commence par ça, regardez vos députés provinciaux et on va revenir pour continuer. Si la régie est totalement d'accord avec moi, on va y aller. Nous sommes là à la primature depuis midi. Les députés provinciaux de la RDC. Nous sommes là à la primature depuis midi. Les députés provinciaux de la RDC, dont le Premier ministre n'a pas voulu recevoir. Alors, nous avons décidé de passer nous ici. On passe nous ici et on verra parce que le pays nous appartient tous. On ne peut pas nous marginaliser comme ça, après tout. Voilà, nous sommes là. Vous venez là de suivre les députés provinciaux. Ils disent avoir plusieurs mois d'arriéré des salaires. Vous voulez vraiment avoir mon point de vue? Batoyo, n'aongue la bango mawate, ezalaba députés provinciaux, ezalaba députés nationaux, ezalaba sénateurs. En réalité, des gens qui sont dotés d'un mandat électif sont élus
pour plaider en faveur de leurs électeurs. Mais la plupart sont des coopérants. Bah députés provinciaux, bah que dans l'assemblée provinciale, Moussa n'a pas encore triandé bah gouverneur. Bah comment bah poche bah gouverneur. Ceux qui bah yo candidat bah quoi ici pour bah voter gouverneur, Moussa faut pas payer ça bon. C'est des bah comme ici qui député pro qui assemblée provinciale place à bah copie à Moïbi. Moi j'ai pitié des enseignants. J'ai pitié de médecins. Pas ces petits voleurs ici. Pas ces voleurs ici, soit disant députés, tralala, tralala, bas. Ce que beaucoup font, la Libanda. L'intérêt du peuple est à l'ibinoté. Pour votre argent, vous êtes allé dormir à la primature. Soit vous êtes allé dormir à la primature. Mais après, je suis quand même un légaliste. Le droit. Le droit reste droit. Ce qui va violer droit à Moutou, quel que soit ce cas Ali, il faut respecter ma foutu tabango. Mais on a ce que les amoutés maya qui congolais moutou et loba. Ces gens nous ont trahis. Députés, sénateurs, hauts députés provinciaux, ils nous ont trahis. Vous avez des enseignants qui ne sont pas payés, mais vous avez des députés, certains faisaient même des bruits comme Eliezer là, qui sont payés 21 000 dollars américains, qui ont des jeeps et qui ont transformé les assemblées à des endroits de COP. Ils ont transformé les assemblées à des endroits de COP pour aller au Singapour, tout ça, tout ça. Regardez par exemple ce qui se passe à ce moment à Kinshasa, mes chers frères. C'est tout simplement scandaleux. Je vais retrouver les documents. Je vais demander à nos amis qui sont de l'autre côté de la régie de diminuer les volumes de... Je ne sais pas si c'est la radio ou la télé. J'ai le retour ici. Ça me déconcentre un peu. Please, brother, can you turn down the volume of radio, TV, I don't know. Ça me déconcentre énormément ici. Je vais retrouver les documents en attendant que la régie baisse un peu le volume. Je ne sais pas si c'est sur le... Ok, c'est bon, allez. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, donc on va y aller. Mes chers frères, j'ai, au début de cette émission, parlé un peu de ces aventures de ces soi-disant hommes de Dieu. Ici, sur ce plateau, j'ai toujours parlé de ces charlatans ici de Golden Point. Je vous ai toujours dit que Golden Point est un charlatan, un faux pasteur. Ce type a fait des dégâts à la tête de la ville province de Kinshasa, de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Un faux pasteur. Golden Point a aidé Gentili Ngobila à mettre à genoux la ville de Kinshasa. Golden Point a permis à la ville de s'endetter de manière illégale. Golden Point a permis la corruption, le détournement des dizaines de millions de dollars américains. C'est Golden Point ici, c'est danseur, cet homme qui met des vestes de plusieurs couleurs. Un faux pasteur. Et ici, je vous ai dit, Golden Point est bénéficiaire d'une villa obtenu sous forme de la corruption de M. Gentili Ngobila. Golden Point a une villa à ma campagne. Je vous donne le prix. Le villa a été acheté à plus de 600 000 dollars. C'est Gentili Ngobila qui a acheté et qui lui a donné comme cadeau. Corruption. Avant la potanoana. Et je l'ai vu dans ses aventures se mettre devant l'église dire, oh non mais, Ozamwana ya, Mwana ya, ya Funa, bah publié. Numéro Zakakamoro, ce qui est 50 combien, le bas qui en a numéro naïe. Nous allons battre campagne contre des charlatans comme cet aventurier de Golden Point ici. Un aventurier faux pasteur. Mes amis, Golden Point venait de faire un article, ou je ne sais pas moi, une lettre. Au moment où nous sommes à la fin de cette mandature, Golden Point et Gentili Ngobila ont endetté la ville de Kinshasa à hauteur de plus de 100 millions de dollars.
On parle de 150 millions de dollars, mes chers frères. 150 millions. Et Gobila et Janti, peuvent-ils nous dire qu'est-ce qu'ils ont fait avec les 150 millions d'endettement de la ville? Kinshasa réalité. Kinshasa ma réalité. Djela Mokoba Bando Sala Makelele Elenge sa 6 km. Elenge sa 6 km. Elenge sa, on le retrouve aussi dans le budget du gouvernement national. Financé plusieurs fois. Miyibi Bandeko. Miyibi. Maintenant, ils sont arrivés à la fin du mandat. Ils se sont brouillés. Bah, comme ils ont réglé ma problème dans Likolo ya Mesa. Et là, on nous apprend. Via Godet, que la ville a des dettes de plus de 100 millions de dollars. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent? Et la meilleure, c'est quoi? Godet Mpoi est en train de fuir. Godet Mpoi et son questeur, Papi Mpian, l'ancien bourgmestre de la commune de, comment ça s'appelle, de Maluku. Godet Mpoi vient d'écrire une lettre à l'Assemblée provinciale où il s'octroie lui-même des vacances de 3 mois. Ça, c'est la dernière session parlementaire à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. En principe, dans le mois de décembre, il faut tous en avoir l'élection. Et cette session est budgétaire. Papi Mpiana, qui est dans le coup du détournement des vols avec Godet Mpoi, les lettres sont là. Papi écrit à Godet Mpoi pour dire que il a besoin d'un repos. De 3 mois. Godet lui octroie des repos médicaux, soi-disant de 3 mois. Et Godet pour lui-même s'octroie également un repos de 3 mois. Donc pendant 3 mois, le président et le questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, des gens qui ont endetté la ville à plus de 100 millions de dollars, Bakimi, Bazokende. Et Pakeye, Bazokende. Godet Azokima, Miyibi, Godet pour Moyibi, Bonwololaye. Bana Bandal, Bana Funa, Bandal c'est ma commune. Nana moana Bandal à Tongo ya solo solo. Godet Mpoi mérite son raison le kanabaka ya wana tozu bazel to sopele. Moyibi. Doki munene Godet Mpoi. Babomi mboka. Godet Mpoi. Des escrocs miyibi. Bazo longwa l'Assemblée Possel, batika l'Assemblée Possel na ba nyongo. Godet a koti sa ba nyongo. Azwa ba jeep. Même moi si na ye. Akenda kozwa jeep. Na nyongo na kombo assemblée provinciale. 90 000 $, 80 000 $. Ya jeep. Ye moka kenda zwa jeep à 120 000. A koti sa assemblée provinciale na ba dette. Ba dette on a il faut si na na mois d'octobre yo. Les députés n'ont plus d'argent pour payer. Ils avaient cru. Quand soutenant Jantiline Gobila dans ses vols, dans ses magouis, Gobila allait apurer ba dette na bango. Gobila sundoli bango. Gobila Sundo bango mote peli bako boto la bango biloko. Miyibi. Et Godet Mpoi trembale avec. Trembale avec le nom de Jésus-Christ dans sa bouche. Et sur la tribune, sur la chair. Il prend le micro et dit. Bana funa numéro Zagara Moko. Donc église est comme une place dans la campagne électorale. Yena moutouna yo moussou soit Ndumba yo tato yo. Oya oya Ndumba yo. Oya ya yali bolongo a mwindo moukouna. Muta bankoro wana nani tata wana lera bankoro naba naba bukambe to baboma mama wana. Mukuna mou, mukuna chibola. Donc église est comme une place à ma aventure. Baso ya kosa la campagne électorale l'icola tribune église. Godet est en train de fuir. Ici je vais lancer un appel à Elmout Ngeleka, alias Félix Tshisekedi. À son robot là, Ngelekalien qu'il a installé à la justice. Comment les lani Kamuleta. Je vais lancer un appel à cet autre robot ici. Kaluila, si c'est Kaluila, le procureur Kaluila. Un homme que Ngeleka manipule. Un homme que Ngeleka manipule. C'est le moment d'ouvrir des dossiers. S'il existe vraiment une justice, Godet ne doit pas quitter le pays. Godet Mpoi ne doit pas quitter le pays. Papi Mpiana. Donc, neto le Bobandeko va s'attribuer ma congé il y a 3 mois. Bah si va créer ma désordre, va endetter ville, va yibimbongo, allez bazui, bakamati, bakangi bisaka. Bakamati bakangi bisaka na bango.
Balingi bakima bakende. Balingi bakima bakende. Je vous ai toujours dit, ces gens sont des démons. Bayaki pona bola mon abisote. Ils sont venus se faire de l'argent. Ils nous ont arnaqués. Arnaqués alors. Et là, ils cherchent comment s'enfuir. Les lettres sont là. Attends, je vais vous lire deux, trois lettres. J'ai vu Nanyoyo, les jeunes ici, Nani. Moi, je viens de Molière de Mbalimba. Recadrer ce godet-là avec ses 15 faux diplômes. Junior de Mbalimba l'a vraiment remis à sa place dans une correspondance que j'ai lue. Awa, Nani, le questeur de l'Assemblée provinciale, écrit à son complice Godempoy. Honorable Président, par la présente, je vous approche au sujet de ceux dont l'objet est repris en marche. Objet Zanini, mon congé médical. En effet, consécutivement à l'autorisation de sortie numéro tralala tralala, relatif à mon contrôle médical en France, je vous transmets en annexe le certificat médical si rapportant dans lequel mon médecin m'accorde un congé médical de 3 mois à dater du 25 septembre 2023 afin de permettre la poursuite du traitement et des investigations complémentaires. 3 mois. Bah, yibimbongo. Ça, c'est papier impiana. Questeur. Yoga siko, réponse à Ndekonaïmo, yibiloko la yekodempoy. Godet dit, honorable questeur, j'accuse réception de votre lettre numéro tralala tralala relative à l'objet repris en marche et vous en remercie. Il fait ensuite. Je vous accorde le dit congé à dater du 28 septembre 2023 au 28 décembre 2023, Bakimi Bakei, pour vous permettre une bonne reconstruction physique car la santé prime surtout. Godé a passé 3 mois. Et Godé va publier un communiqué aujourd'hui dans lequel lui-même s'octroie un congé. Je vais vous épargner des détails. Je vais lire là où il y a. J'ai saisi. Ça, c'est Godé qui écrit aussi. J'ai saisi cette occasion pour vous informer que mon voyage médical, connu de tous et reporté depuis 10 jours, comme je tenais à ouvrir cette session, doit être fait immédiatement après cette ouverture, en prenant mon congé médical pour répondre au rendez-vous pris depuis 3 mois. À toute fin utile, je laisse mon bulletin de santé à mon secrétaire de cabinet, tel que dressé par l'hôpital américain de Paris, ainsi que les différents rendez-vous. Il y a peut-être 3 mois. Miyibi, bakimi bakéi. Borobando kima boe, tikali chef nabino ngeleka elmout. Il y a pas zo kima kalamingite. Et tikali chef nabino elmout ngeleka. Et tikali elmout. Le Congo, je ne sais pas ce qui tosta l'anzambenini. Ils volent. Ils endettent à plus de 100 millions de dollars la ville. Eux-mêmes parlent de plus de 150 millions de dettes que Ngobila et Godempoy vont manigancer. Et ils sont à la fin de la session parlementaire. C'est la toute dernière mandature, la toute dernière session pour mandat ici là. Non, bah yebi ke motelingé pela, bah s'octroyer, bah congé, bah 3 mois, bah kimi bakayi. Bah kimi bakayi. C'est tout simplement terrible, mes chers frères. Ça fait mal. Et j'ai vu leur chef, Elimut Ngeleka alias Félix Tshisekedi, cette semaine, me surprendre avec la mise en place d'une équipe, soi-disant, son équipe de campagne. L'équipe est coordonnée par François Mwamba, qui a fait une sortie, mais c'était quoi? Je veux dire ça, une déclaration, une sortie, je ne sais pas. C'était à l'hôtel du fleuve, oui. Tolandaye, je vais demander à mes équipes, c'est 5 minutes, c'est trop. Diffusez-moi 3 minutes en commençant par les milieux. 5 minutes, on va laisser à ces gens, comme ça, ils vont nous bouffer les temps pour rien. On suit un peu François Mwamba, à partir du milieu de sa déclaration jusqu'à la fin. Je reviens après pour commenter. Si la régie est d'accord avec moi, allons-y. C'est d'affirmer la réalisation de l'engagement de Fédération pour que l'année 2023 soit essentiellement une année électorale, avec l'organisation dans notre pays des scrutins multiples à tous les niveaux, sur la base du calendrier conforme aux prescrits pertinents de notre Constitution
publié par la Commission électorale nationale indépendante CENI le 26 novembre 2022. Mesdames et messieurs, si notre nation a bien vécu un moment historique en 2018, grâce à son cinquième président, elle est en passe d'en vivre un second dans les quelques jours qui viennent. Puisque pour la seconde fois consécutive dans l'histoire de la République du Congo, un président de la République sortant va briguer un second mandat bilan résultant de la mise en œuvre de sa vision et de son programme pour l'exercice en cours d'achèvement. À comparer aux soubresauts, politiques que bien des pays du continent connaissent ces derniers temps, il n'est pas exagéré de parler d'une performance historique en République démocratique du Congo. Nous sommes donc ici pour faire une deuxième annonce. De son bilan qui touche à des réalisations palpables dans tous les secteurs de la vie nationale, économique, financier et sectoriel, social et culturel, défense, diplomatie et sécuritaire, ainsi que de sa vision pour l'avenir de notre nation, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va bientôt devenir candidat à sa propre succession, est prêt à en discuter avec ses compatriotes de l'ouverture officielle de la campagne électorale. À l'égard de ce qui précède, nous sommes ici enfin pour faire une troisième annonce, à savoir que le président Félix Tshisekedi a confié la coordination des équipes de sa future campagne à son groupe de réflexion et d'action dit équipe forte, dont font partie les représentants qui sont devant vous en train de nous exprimer. Les équipes de la campagne du président seront déployées progressivement dans l'ensemble du pays, au niveau des 11 régions ou anciennes provinces, de 26 provinces, de 145 territoires et de 36 villes. Merci beaucoup à nos amis qui sont de l'autre côté de la régie. Ça, c'est François Mwamba. François Mwamba Tshishimbi, qui se présente comme coordonnateur de l'équipe des campagnes mise en place par M. Félix Antoine Tshisekedi. Et j'ai vu la composition de l'équipe, laissez-moi vous jeter un coup d'œil, parce qu'après j'ai vu qu'ils se sont... Ils ont essayé de corriger les choses. C'est tout simplement terrible. J'ai vu qu'après ils ont tenté de corriger les choses. Voilà. L'équipe est constituée de 1. François Mwamba, 2. André Wameso, 3. Taylor Lubanga, 4. Eberhard Kolongele, 5. André Kabanda, 6. Augustin Kabuya, 7. Nicolas Kazadi, 8. Peter Kazadi, 9. Jusse Kakabongo, 10. Mwadia Vita, 11. Topé Kabongo. Que des frappeurs! Leur chef lui-même, c'est le chef de file de ce cartel-là. Yaba frappeur. Des gens qui sont arrivés au pouvoir croyant que le Congo était devenu un éléphant qu'il fallait dépiécer. Que des frappeurs. Des grands frappeurs comme les Tompé Kabongo sont là, les Jusse Kakabongo. Grands frappeurs. Miyibi minene batouane. Miyibi. Le grand frappeur, les frappeurs en chef Félix Tshisekedi, est allé encore chercher dans son escarcelle. C'est une mafia. Un cartel mafieux qui est installé au sommet de votre pays. Sur les 11 nommés ici, 8 sont kassaïens. 8. Un tribaliste, c'est buveur de Tembo, est un grand tribaliste. Helmut Ngeleka est un grand tribaliste. Même pour l'équipe de sa campagne. 8 sur les 11 cités ici par François Mwamba lui-même. 8 sont kassaïens, tribalistes à fond. Et les 8 là, c'est qui? Jusse Kakabongo, grand frappeur. C'est lui qui est allé voler l'argent pour aller monter cette histoire de société avec Onani Diassolo.
Le Congo n'a pas d'avion. JCK, frappeur mondialement connu. Topé Kabongo, grand frappeur. Mwadia Vita, dis Mwadia Vita qui est au journal officiel. Oya Fimara, Azo Bwakela Batumilinga. Frappeur. Les Tchokovars, Peter Kazadi, n'en parlons pas. Les Tchokovars, frappeur. Nicolas Kazadi, frappeur. Bangonde va composer ce qu'équipe. Et au sommet de cette équipe-là, l'objectif est de réélire le maître frappeur, le chef du cartel, Helmut Ngeleka, à l'ASFI Tshisekedi. Que de Kassaïens. 11 membres. 8 Kassaïens à l'intérieur. 8. Maintenant, face au tollé soulevé, je vois Augustin Kabouya faire un tweet. Kabouya fait un tweet. Parce que le tollé était tellement grave. Aucune femme sur la liste. Aucun jeune. Que Miyibi, Kosangale Soussou ne peut pas faire élire chef Nabango. Il y a bande Nabango à Miyibi. Et ça crée un tollé. Augustin Kabouya va écrire, faire un tweet. Jusqu'ici. Le président Félix Antoine Tshisekedi n'a pas encore dévoilé son équipe de campagne, sauf qu'il y a eu une erreur de communication et de compréhension autour de ce dossier. La mise en place de cette équipe sera sanctionnée dans les jours à venir par une ordonnance présidentielle. Voilà. Kabouya estime que le président va prendre une ordonnance pour nommer équipe de campagne. Voilà les gens qui vous dirigent. Kabouya. Augustin Kabouya annonce que nous devons attendre que le chef de file des frappeurs, le frappeur en chef Helmut Ngeleka, va nommer son équipe de campagne par ordonnance présidentielle. Donc dans la tête de Kabouya là, Namutuya Kabouya, dans son tibia, na tibia ya Kabouya. Comment on cerveau tibia? Donc, na tibia ya Kabouya, Félix doit nommer son équipe de campagne par ordonnance présidentielle. Équipe de campagne, comme si c'est... Regardez un peu les gens qui vous dirigent. Regardez la nature des gens qui vous dirigent. La République est dans la rue, mes chers frères. Kabouya, ici, c'était un ancien Kadhafi. Il ne faisait rien. Son travail, c'était de vendre des carburants en bidon. Il parlait de qui? Il parlait d'un ancien distributeur de pizza, Félix Tshisekedi, Helmut Ngeleka. Donc, un Kadhafi parlant d'un distributeur de Kadhafi, de pizza, qu'est-ce que vous attendez de ces gens? Ils ont quel niveau? Et maintenant qu'on va déposer les candidatures, Félix est un faussaire. Il a menti en 2018 qu'il a un diplôme de graduat obtenu à la faculté marketing et communication à l'ICC Bruxelles. Aujourd'hui, il est clairement établi qu'à l'ICC Bruxelles, une faculté de marketing et communication n'existe pas. Donc il a menti. Son dossier de 2018 était entanché de ces grands mensonges-là. Et Corneille Nanga vous a dit, il savait que ce dossier-là devait être écarté, mais sous pression de certaines ambassades, ils se sont dit, faisons une élection inclusive. C'est comme ça qu'ils ont laissé ces faussaires de Félix Tshisekedi, qui n'a aucun diplôme, même pas un diplôme d'État. Venez me contredire, dites-moi, Félix a décroché son diplôme d'État, n'a classe nini, n'a combien de pourcents, attangate, à salaté. A commis président sur base d'un dossier faux. Un faussaire. Si vous avez déposé ma candidature, à quoi que vous avez dit, c'est ma problème. Tout le monde a été attendu à Havard. Tout le monde a été attendu à Sorbonne. Tout le monde a été attendu à ULB. Tout le monde à Cambridge. Et l'ancien Kadhafi qui le défend dit qu'il va prendre une ordonnance présidentielle pour nommer son équipe. Voilà la nature des gens qui sont avec vous. Voilà la nature des personnes qui vous dirigent. Et qu'est-ce que l'on peut attendre des gens comme ça? Nous avons perdu 5 ans comme ça, dans le vide. J'ai dit à un ami, la seule institution, tout ça, qui a bénéficié des 5 ans de mandat de Félix, c'est la Brasimba. La Brasimba a vu son chiffre d'affaires augmenter avec sa bière Tembo que les Congolais appellent aujourd'hui Helmut Ngeleka. Na Congo, comme il y a Tembo Ngeleka. Moutakoti na barbe,
Oh, barman, pesangangele kamora malili. Pesangangele kamora malili. Naver, hein, naver. La seule institution qui peut se réjouir de ces 5 ans de vide, de cet incompétent national qui s'appelle Helmut Ngeleka, c'est la Brassimba. Parce que la Brassimba a vu son chiffre d'affaires exploser avec sa bière Tembo, appelée aussi Ngeleka. Helmut Ngeleka lui-même, grand consommateur de Tembo, il a fait exploser le chiffre d'affaires de Tembo. Brassimba, bango faut passer à Batouba voter. À part la Brassimba, citez-moi un seul secteur de la vie qui peut aujourd'hui espérer ou attendre que Helmut Ngeleka puisse avoir un autre mandat. Si ce n'est pas les escrocs et tout, la racaille qu'il est allé ramasser d'Europe qui nous a amenés là-bas. Tous ces escrocs qu'il a installés là-bas. Et ce sont ces escrocs qu'il a mis sur la liste de sa campagne. Les Jiseka Kabongo, les Topé Mukengeshai, les Ogise Kabouya, et tout ce monde-là. Les Mouadian Vita. Des escrocs, frappeurs. Et ils veulent avoir un autre mandat. Ils veulent avoir un autre mandat. Il dit qu'il va organiser les élections. Mes chers frères, sauf miracle, élections athées. Sauf miracle. Là, ils sont en train de mettre en place un projet. Ils veulent organiser les élections sur base, pardon, de ces petits rares ordinateurs laissés en 2018. Parce que s'ils veulent, ils sont déterminés. Ils ont mis en place une équipe d'informaticiens chargés de tripoter ces ordinateurs là. Donc il y aura des élections en cafouillage, il n'y aura pas de machines suffisantes, il y aura des centres alambiqués, donc Ndengamobulu, et ces machines seront programmées pour atteindre un certain seuil. Yaba candidat Moussoussou, dépasser ce seuil là, tous les autres votes vont aller chez Ngeleka. Parce que Neto Lobaboué a commandé dans nos kits électoraux, a déployé en onanouté. Techniquement, c'est impossible d'organiser. Impossible, je pèse mes mots, impossible. Mais ils s'organisent soit pour organiser des élections catastrophiques avec les anciennes machines qui sont en train de chipoter, soit alors, il veut lancer une guerre dans l'Est de la République, je vous ai dit ça. Et pour ça, Bakéi va signer un accord avec un mercenaire. Mbongo et Mboka, ils ont aussi les pas de mercenaires. Les mercenaires qui ne sont pas contrôlés. Tantôt ils sont recrutés par Biamunda, tantôt ils sont recrutés par à gauche et à droite. Et ces mercenaires-là doivent lancer une offensive. Lui va s'accrocher derrière cette offensive-là pour dire qu'on ne peut pas organiser les élections parce que lui veut faire la guerre contre le Rwanda. Il va augmenter le discours de sa rwandophobie-là. Le Rwanda, les Rwandais. Parce qu'il sait que c'est une question sensible. C'est le seul discours que les Congolais aimeront entendre. Soit disant qu'il faut attaquer le Rwanda. Il est allé en Belgique pour Yokied. On va écraser, on va écraser. Voilà les opportunités qui restent devant ses yeux. Techniquement, je vous dis, je vous regarde dans les yeux, c'est impossible. Il ne peut pas organiser les élections. Deuxième chose, s'il tient à organiser les élections, c'est pour tricher dans ces élections-là avec les anciennes machines qui sont en train de reconfigurer. Et ils sont en train de mettre des seuils au-delà de ce seuil-là, tout autre vote. Même si on votait Moutoumoussou, Kuna machine et Kokonta, on aura la vote Nabango. Ils sont en train de la traficoter au moment où je vous parle. Et à côté, s'il n'y a pas élection, il a recruté des mercenaires. Il a recruté Moka et Panzani, les Roumains, les ceci, en désordre. Bamoussou, on va Israélien, on va Nani. Donc, armée, désordre. Ngeleka, désordre. Et ils vont faire semblant ici, soi-disant. Attaquons, attaquons, les Rwandais, les Rwandais, les Rwandais, les Rwandais. Parce qu'il sait que ce discours-là, c'est un discours sensible. Et il va prétexter la guerre massive qu'il va lancer dans l'Est de la République pour ne pas organiser les élections. C'est ça ses objectifs. Et obtenir un autre décalage. Mais Ngeleka se trompe. Ngeleka est en train de se tromper. Je vous le dirai quand je vais évoquer son deal avec Martin Fayoulou. Élection ou pas, ce type est en train de partir. Son sort est déjà scellé. Je l'ai dit et je le répète. Messieurs, montez, descendez, Okopakatambangu. Élection ou pas élection, sort nous a scellé aux Okende.
Baventure et l'équiming. Baventure et l'équiming. Élection ou pas élection, elle moute combo naïe départ. Ah ça baventure, ne ça baventure. Donc en réalité, c'est des semblants qu'il est en train de faire. Les hypothèses sont là. Logiquement, matériellement, techniquement, c'est impossible qu'il y ait élection. J'ai dit bien impossible. On n'a pas le moyen, on n'a pas les matériels, on n'a pas le temps. Maintenant, les opportunités qui restent, la première, elle veut traficoter les élections en s'appuyant sur les anciens kits au y a 2018. Les rares qui restent, il va déployer quelques deux, trois kits à côté, à gauche. Il va vous faire un braquage électoral. Ça sera des élections. Au moment de ma carte d'électeur, le jour de vote, ça va être pire que dans ma carte d'électeur. Ça va être pire. Et ces machines, au moment où je vous parle, sont en train d'être retapées et traficotées. Autre hypothèse, c'est lancer une guerre massive avec les mercenaires recrutés là. Un seul discours contre le Rwanda. Allons la guerre contre le... Parce qu'il sait que c'est un discours qui passe au sein de l'opinion. Et il profitera de ça pour obtenir un... Papa, lèvons-nous. C'est un enfant de la malédiction. C'est un fils de la malédiction. Et dans cet embrouille, un homme à qui les Congolais croyaient, Martin Fayulu vient de tomber dans son piège. Je vous confirme que Martin Fayulu dépose sa candidature, je crois, la semaine prochaine. Il va déposer sa candidature. Je l'avais dit ici, il va le faire. J'ai vu Fayulu faire un discours, c'était le 25, je ne sais pas si c'est le 25 quoi. C'est un discours de 6 minutes, je crois. Tolanda Martin Fayulu, je reviendrai pour entrer en profondeur sur ce qui se passe entre Fayulu et Tshisekedi. Tolanda Martin Fayulu. Très chers compatriotes, 5 ans après le plus grand hold-up électoral africain du siècle, notre pays va très mal et rien ne marche. Quand on voit la légèreté avec laquelle les institutions de l'État regardent tous les signaux qui assombrissent le ciel de notre patrie et qui risquent de conduire le pays à un chaos aux conséquences incalculables, comment ne pas faire le constat que le Congo est miné au sommet de l'État par des forces centrifuges qui travaillent à sa balkanisation. Là où les Congolais espèrent un processus qui va sauver la patrie en danger, les ennemis de la République concoctent une logique électorale qui parie fondamentalement sur la tricherie. Congolaises et Congolais, surtout, ne minimisons pas les enjeux des élections constitutionnellement prévues pour la fin de cette année 2023. Toutes les stratégies que développent Félix Tshisekedi et ses acolytes de l'Union sacrée n'ont en réalité qu'un seul but, vider de son sens cette expression qui hante leur conscience depuis 2018, à savoir la vérité des urnes. Au-delà de tout, j'aimerais tout de même prodiguer un conseil à M. Félix Tshisekedi. Prenez la mesure de la gravité de la situation et arrêtez de jouer avec le feu. Le moment vous est venu de regarder en face la vraie nature des souffrances que vous infligez au peuple congolais, car on ne joue pas impunément et trop longtemps avec un peuple et son destin. En effet, toutes les magouilles politiques et toutes les démagogies sont appelées, un jour ou l'autre, à se briser devant la colère populaire et les sursauts patriotiques du peuple. Depuis 1960, jamais les défis que le Congo doit relever n'avaient touché aussi profondément ce que nous sommes et ce que nous voulons devenir. Très chers compatriotes, le chef des confessions religieuses et particulièrement
la conférence épiscopale du Congo, ainsi que les autorités spirituelles de l'Église du Christ au Congo, ont compris que ce qui couvre dans notre pays, c'est un chaos général aux conséquences apocalyptiques. Aussi, à corps et à cri, ils ont demandé l'audit du fichier électoral. Ils ont proposé l'audit citoyen du fichier électoral. Et ils appellent à l'inclusivité du processus électoral, à la proclamation des résultats bureau par bureau, afin de corriger des erreurs du passé et consolider la jeune démocratie congolaise. Conscient que le peuple congolais place un immense espoir dans ce nouveau cycle électoral et dans le fait que son choix soit cette fois-ci respecté, et convaincu que le processus électoral tel qu'il est mené par M. Denis Kadima présage une nouvelle crise post-électorale. Je ne pouvais pas laisser cette noble et patriotique bataille de nos chefs spirituels se diluer dans le flux médiatique sans lui donner plus de relief. Voilà pourquoi je prends la parole aujourd'hui pour féliciter et remercier chaleureusement les églises catholiques et protestantes, sans oublier certains partenaires internationaux du Congo qui ont rejoint cette bataille pour un processus électoral transparent et crédible. Au nom du peuple congolais qui souffre en espérant que les élections apportent au pays la paix, le relèvement social et la prospérité de l'économie nationale, je salue les combats de l'Église catholique et de l'Église du Christ au Congo pour la recherche de la cohésion sociale comme gage d'un processus électoral sain et extincteur des périls qui menacent la survie de notre pays. Je me permets de leur redire ici, par ces mots, que je veux solennels et au nom du peuple congolais tout entier, combien nous sommes fiers d'eux, fiers des valeurs d'intégrité, de vérité, d'amour du prochain et d'exhortation à l'unité nationale et au sursaut patriotique qu'ils portent. J'ai entendu leur appel et celui du peuple congolais. J'invite le militant des partis politiques, les syndicats, les étudiants, les associations de la société civile et les activistes des mouvements citoyens à se faire l'écho de ces messages de remerciement et d'encouragement aux chefs de nos confessions religieuses afin que leur combat gagne en puissance d'imposition d'un processus électoral sain, inclusif, transparent et crédible. Vive la République démocratique du Congo, une, indivisible, en paix et en prospérité économique. Que Dieu bénisse les Congos. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup. Là, c'est le tout dernier discours de M. Martin Fayulu Madidi, à peu près 6 minutes. J'ai suivi ces discours, j'ai re-suivi ces discours, je n'ai pas compris ce que Martin Fayulu voulait dire. Je ne sais pas, si vous avez compris quelque chose, dites-le moi. Il ressort clairement, à la lecture et à l'analyse de ces discours, que le vieux est tout simplement perdu. Le vieux est pris en tenaille par rapport à certaines décisions hasardeuses que Martin Fayulu a prises. Dans ces discours que vous venez de suivre, pendant 6 minutes, 2 choses retiennent mon attention. La première, c'est l'éloge de l'Église catholique et de l'Église protestante. Pendant tous les 6 minutes là, la plupart, après il a parlé évidemment de la situation de l'Est et de la République, mais je ne comprends pas pourquoi Martin Fayulu peut faire un discours, une adresse à la nation pour dire merci à l'Église catholique et à l'Église protestante.
merci à ceci, merci à cela. Qu'est-ce qu'il veut dire? En clair, il veut dire quoi? Martin Fayoulou, en abordant l'église catholique et l'église protestante, Fayoulou était tout simplement en train de préparer l'opinion. Parce qu'ils veulent faire passer une idée dans l'opinion que Fayoulou va déposer sa candidature sur demande de l'église catholique et de l'église protestante. J'ai dit non, c'est faux. Je viens à peine de parler avec l'église catholique. J'ai parlé avec l'abbé Chollet, si je peux le citer. Une question simple. Est-ce que, contrairement à ce qui s'est dit, parce qu'aujourd'hui les gens décident et disent quoi? Oh non, c'est l'église catholique qui est venue convaincre Martin Fayoulou de participer. L'église a dit qu'il a... Non, l'église ne peut pas. L'église n'a pas de candidat. Si l'église catholique dit à Martin Fayoulou va déposer la candidature, l'église va demander à Fayoulou d'aller déposer la candidature à quel titre? Fayoulou est-il le candidat de l'église? Non. Fayoulou doit assumer ses incohérences. Assumez vos incohérences. Il a demandé aux gens de ne pas déposer la candidature. Lui, il veut aller déposer la candidature. Il se rend compte qu'il se retrouve dans la rue. Il faut trouver un discours derrière lequel s'accrocher. Yango Bomoni a un long discours sur l'église catholique et l'église protestante. Qu'est-ce que les deux églises viennent faire? Je reste encore dans son discours. Fayoulou veut s'accrocher. Si on vous tient un discours du genre, Fayoulou veut aller déposer parce que l'église lui a demandé, je vous regarde en face, j'ai parlé avec l'église catholique, ils disent c'est faux. L'église n'a pas demandé un candidat d'aller déposer parce que l'église lui-même n'a pas de candidat. Si l'église demande à Perrault va déposer la candidature, ça veut dire que je suis le candidat de l'église. L'église catholique est une église neutre. Kende qu'on dépose candidature, tika qu'on diembe la nasima église. Si vous entendez ces discours-là, je les balaye tout de suite. Ce n'est pas l'église qui a demandé à Fayoulou d'aller déposer la candidature. Deuxième chose. Pour une fois, Fayoulou n'est pas dur contre Tshisekedi. Suivez tous les discours. Ça casse déjà des choses. Fayoulou dit, je veux conseiller à M. Tshisekedi. Depuis quand Fayoulou donne des conseils à Tshisekedi? Fayoulou le connaît la ligne dure contre Tshisekedi. Il a volé. Vérité des urnes. Mais ici, dans son dernier discours, Fayoulou dit, je vais donner un conseil à M. Tshisekedi. Regardez la souffrance du peuple. Depuis quand Fayoulou donne des conseils à Tshisekedi? Le discours commence à être polissé. Lisez entre les lignes. C'est un discours creux, un discours vide, qui tente à passer dans l'opinion une idée que ce que je veux faire, c'est l'église catholique et l'église protestante qui me l'ont demandé. Lokuta, église catholique, église protestante, et Tinda Fayoulou a Kendekocha candidature T. L'église n'a pas de candidat. Fayoulou doit assumer ses erreurs et ses incohérences. Atika la kokosa coché derrière l'église. Et c'est Lokuta. J'ai des confirmations de l'église. Mensonge, église de Tinda Fayoulou. Lokuta. Deuxième élément. Le discours de Fayoulou à l'endroit de Félix commence à être polissé. Fayoulou commence à donner conseil à Félix Tshisekedi. Je donne conseil à M. Tshisekedi. Regardez la souffrance de... Depuis quand Fayoulou te bien a frappé Tshisekedi? Ça cache quelque chose. Ça commence à cacher des choses. Mais avant d'entrer en profondeur, je vous avais dit ici que ça risque de poser des problèmes. Ça risque de poser des problèmes. J'ai vu que les gens commencent déjà à quitter la Mouka. Moutounanga mou approche à Fayoulou, l'autre type de mission est parti. Mourouzé, Natanga, non, le canon. Natanga, il a bu non. Voilà. Un des partis membres de la Mouka, ADN, parti politique. L'Alliance des démocrates pour une nouvelle république, ADN en sigle. Parti phare et précurseur de la nouvelle classe politique, ça c'est des histoires, annonce à la communauté nationale et internationale sa décision de se retirer de la coalition politique Lamouka. En effet, cette décision difficile survient suite à une divergence de convictions des dernières minutes qui remet en question notre capacité à poursuivre notre engagement au sein de cette plateforme. Batouaban déjà Kolongwa. Il y a des compatriotes qui sont aux États-Unis. Avant la matinée émission, je vais vous faire écouter ce qu'il dit.
La déception commence à gagner les gens. L'incohérence de Fayulu pose problème. Balingakana lobaboyete, je vous avais dit, montez, descendez, personne ne peut m'empêcher de parler de Fayulu. Fayulu est incohérent. Dans cette affaire de la candidature, Fayulu est incohérent. J'aborde d'abord la candidature et puis je vais aborder les deals avec Tshisekedi après. Écoutez ce que ses compatriotes me disent. Écoutez. Maman Chantal, il y a eu ça, président Fayulu. Oh là là, il y a un problème là. Attendez, attendez. Bisson à Washington, ici. De quitter parti. Parti na Bisson. Et ça a déjà 6 ans. Tous à 120 membres. Président Fayulu a eu bien. Faut ta loyer n'a biso 3 500 $ chaque mois. Mais le président a détruit l'unité mon abisso. A eu ça qui biso. A eu ça candidatité. Tout ce n'a pas été belé à oua. Au coup de la zoraï la considération. Mais il a décidé. A eu qu'a biso partité. Désormais, tout cani parti. Il a décidé. A Washington DC. Et si le président Fayulu a commis la carte. Parti et Koufi, nous sommes 120 membres de l'Ongwe. Pessa président Fayulu message. Pessa maman Chantal, puisque nous sommes en Aïe, à Zobo et à Koyambangaï. Parti, tous sommes obligés, Washington, Mobimba, SID, il faut Koufa. Tous sommes bien à la section Nyonso. Puisque hier, il y a eu qui nous sautait, nous sommes tous à la démarche, tous à la démarche pour Aïe. Hier, comme il y a eu qui a battu Moussousso, ou bien il y a eu qui a sauté. Ça pose pas un problème. Bonne chance. Mais Yebisaï, à quoi ma 7e la liste sur l'élection Israël. Yebisaï, bon. Oui, Yebisaï. Merci. Voilà. Ça, c'est un message qu'un compatriote vient de m'envoyer de comment ça s'appelle, de Washington. Et il m'a supplié de pouvoir diffuser. Vous avez prédit ici que l'incohérence de Martin Fayulu Madidi va poser problème. Et ça commence déjà à poser problème. Là, Fayulu a décidé de déposer sa candidature. Je vais boucler cette affaire de la candidature de Martin Fayulu. Fayulu a fait une allocution de près de 6 minutes le 25 dernier. Deux choses, retenez. La première, c'était une allocution où il n'a fait que vanter l'église catholique et l'église protestante. C'était un discours creux, vide. Il n'a rien dit. Il préparait l'opinion. Mes chers compatriotes, je vous regarde dans les yeux. Que Fayulu ne vous trompe pas. Qu'il assume ses incohérences seul. Si Fayulu dépose sa candidature, ce n'est pas l'église catholique ni l'église protestante qui lui ont demandé de le faire. Il le fait lui-même en complicité avec Félix Tshisekedi. Moutaï Goko Sabino Théo, Fayulu a solo une église, Fayulu a solo une église catholique, Fayulu a solo une. Non, Eza Lokuta. Eza Lokuta. Fayulu a zoba décision na yemoko. Eza Bloka Lokuta. L'église n'a pas de candidat. L'église ne peut pas demander à Fayulu d'aller déposer des candidatures parce que Fayulu n'est pas le candidat de l'église. Deuxième chose, ces discours montrent clairement une tendance allant dans le sens d'arrondir les angles en faveur de Félix Tshisekedi. Pour une fois, Fayulu ne fait pas un discours coup contre Félix. Il commence à dire, je conseille la vérité des urnes, le voleur qui est arrivé au pouvoir après lui avoir volé la victoire, aujourd'hui il bénéficie du conseil. Je conseille à M. Tshisekedi de regarder la souffrance du peuple. En réalité, mes chers frères, Fayulu est en pourparler secret avec Félix Tshisekedi. Et le point focal entre les deux, c'est Jean-Pierre Bemba. C'est Bemba qui avait été missionné par Helmut Ngeleka pour convaincre Félix Tshisekedi, pour convaincre Martin Fayulu. Malheureusement, Fayulu est tombé dans le piège. Tshisekedi, dans l'optique des élections, il crée une chose. Le groupe Swahili Phone qui se présente devant lui est très puissant. Tu prends Mukwege.
Osif Katumbi, Osif Matata. On sait que le vivier des électeurs, c'est de l'autre côté. Katumbi peut tenir un discours n'importe où. Mukwege n'est pas n'importe qui. Aller dans une élection avec ces groupes sur Elifone, en laissant le Bas-Congo et Kinshasa vide, c'est faire une passe en or. Il faut absolument remettre Fayulu dans la course. Au cas où il y a une élection, Fayulu viendra travailler pour diviser l'opposition. C'est ça la mission qu'on donne à Fayulu. C'est le COP que Jean-Pierre Bemba lui a amené. Parce que lui, il a déjà refusé de déposer sa candidature. Au nom de quel principe il va changer? Il dit aux gens, ne déposons pas les candidatures. Finalement, lui-même vient déposer. Non, c'est Bemba qui a amené le COP auprès de Martin Fayulu. Dans l'idée de Félix Tshisekedi, il faut que Fayulu rentre dans les jeux pour perturber la puissance de ce groupe swahilophone là. La présence de Martin Fayulu fera aujourd'hui disperser l'électorat au niveau de Bandundu et au niveau de Kinshasa. Au niveau de Bandundu et au niveau de Kinshasa. Parce qu'on sait déjà que par culture, le Bandundu et Kinshasa sont des bastions de l'opposition. Bah, faut t'en avoir pouvoir, t'es. Et un pouvoir alambiqué, le col à Félix Tshisekedi, il ne peut pas s'attendre d'avoir des voix au niveau de Bandundu et au niveau de Kinshasa. On ne peut pas laisser ce terrain-là vide pour que ces groupes soient le fond là. C'est comme ça qu'on les appelle Matata, Katumbi, et Nani et Mukwege. On les appelle, c'est mon combo groupe sur le fond. Pour que ceux-là viennent pêcher encore dans le vivier du Congo central et de Kinshasa. Il va falloir remettre Fayulu en course pour que Fayulu vienne gratter des voix contre ces gens-là. Ça, c'est la mission. Fayulu revient donc en course. Après avoir discuté en coulisses avec Félix Tshisekedi, via Jean-Pierre Bemba, c'est ça le deal. Mais voici ce qu'on propose à Martin Fayulu. C'est qu'on lui fait croire. Mais Fayulu est tombé dans le piège. Bemba a montré à Fayulu qu'il se pourrait qu'il y ait des problèmes. Parce que n'oublions pas que Kabila Joseph attend Félix Tshisekedi au tournant. Selon les accords qu'ils ont signés, Tshisekedi ne devait pas se présenter. Qu'est-ce qui peut se passer jusqu'au mois de décembre? Nzeta Matela qui est quitté, ça y est. Attention, attention. J'ai toujours dit, ne prenez pas le silence de Kabila comme une faiblesse. Félix a effectivement signé les accords. Il a pris des engagements de ne pas se représenter pour un deuxième mandat. Je vous parlerai de ça la semaine prochaine. Les détails sur ce qui devait se passer. Parce que dans l'idée de Kabila, et l'UDPS et le PPRD devaient se retrouver au pouvoir pour un long moment. Kabila voulait vraiment créer une grande plateforme, une grande structure politique, un peu comme les CCM, les Chama Chama Pinduzi qui est en Tanzanie, un peu comme les... en Afrique du Sud, comment on appelle ça? Le truc de Mandela. L'ANC. Un peu comme la ZANU-PF au Zimbabwe. Pour assurer une certaine stabilité au niveau du pouvoir, il faut créer une structure très forte qui devient le vivier du pouvoir. Dans ces pays-là, Sokoza Mutwa CCMT, na Tanzanie, au Kozoa pouvoir T. Il faut être de Chama Chama Pindus. Sokoza na ZANU-PF T, ya Mugabe. Pourquoi ma président y a Zimbabwe? C'est maintenant que ça commence à changer. Aujourd'hui, le pouvoir en Afrique du Sud, c'est l'ANC. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec tous les dégâts que l'autre a fait, Zuma notamment a fait, vous avez d'autres courants, comme les Julius Malema qui commencent à naître et avoir un peu de coups en Afrique du Sud, mais on sait que le parti phare, c'est l'ANC. L'idée était celle-là. Donc, organiser une élection aux 8-5 ans au KI, c'était ça l'idée. Mais Félix est en train de trahir. On ne sait pas ce qui peut se passer. Et on fait croire à Fayulu. Dans l'optique où un coup sera fait, il va falloir être dans la peau des candidats. Et avec les discours, effectivement, on a volé les élections, tu peux en profiter. C'est comme ça qu'on donne à Fayulu une certaine assurance qui l'amène à un certain orgueil. Je parle avec tout le monde. Hein. Parlez avec toutes les personnes qui ont quitté Fayulu là. Tout. Il relaie une seule chose, l'orgueil via Komina, dans le lendo Mogoya Kosaranate. Et c'est ce qu'on vient lui servir sur la table, dans l'hypothèse où tu peux tirer ton coup. Tu peux en profiter. Le retour de Fayulu dans la scène,
le retour de Martin Fayulu, la candidature de Martin Fayulu, est issue des pourparlers que le président de CIDEA a eu avec Félix Tshisekedi via Jean-Pierre Bemba. C'est comme ça que ne peut plus juste. Il ne sait pas justifier son incohérence. On l'a mis dans le monde de l'élection, Soki, comment ça s'appelle? Soki, c'est l'audit affiché électoral. Alors, il y a un catholique. Le catholique, il y a un cop, il y a un Félix Tshisekedi. C'est ça la vérité. Boulingaba, la vérité, la vérité est celle-là. Ceux qui veulent instituer Martin Fayulu, ceux qui estiment que Fayulu est un dieu et qu'on ne peut pas les critiquer, je vous ai dit, Moutoko Peksangana a critiqué Fayulu Azate. Ne vous comportez pas comme les talibans en croyant que même si Fayulu a des erreurs, on ne peut pas les critiquer. Non, Fayulu est incohérent. Fayulu est incohérent. L'incohérence de Fayulu ne le sert pas, ne sert ni Fayulu ni la République. C'est une incohérence. Et cette incohérence est issue de ce pourparlers avec Félix Tshisekedi. Il est en contact avec, je le dis et je le confirme. Il y a aussi une dérogation. Par quelle magie, Fayulu demande que Bafungolatiko, ba député, n'aille pas que. Attendez. Vous nous prenez pour des imbéciles ou quoi? Il demande une dérogation à la CENI pour que maintenant va permettre que ma députée n'aille pas. La CENI a dit il faut une décision politique. Juridiquement, c'est impossible. C'est impossible. On a déjà publié les listes. On a déjà attribué des numéros aux candidats. Il faut une décision politique. La décision politique viendra de qui? De Félix Tshisekedi. On verra. On va voir. Fayulu est incohérent, illogique. Et le Congo n'a pas besoin de ça. Ezabi loko ndezo mema mboka na mbilinga mbilinga. Mboka yali mboka ya Fayulu te. Mboka yali mboka ya Katumbi te. Mboka yali mboka ya Mukwege te. Mboka yali mboka na biso bandeko. Ki fanatisme na batu nazo repele yango il faut totika yango. Oya sali mabe loba na ye ozo sala mabe. Oyo Fayulu azo ko sala e ali mbilinga mbilinga. Mboka yali besoin mbilinga mbilinga wana te. Toko avancer boite. La vérité est celle-là. Naibi ke bata Fayulu bazara parfois le roi ba Pakistan. Balinga ba sa vérité te, mais moi je dis ma vérité, elle est là. Je suis quelqu'un de très honnête. La vérité est celle-là. Fayulu est incohérent. Fayulu a eu des pourparlers avec Félix Tshisekedi via Jean-Pierre Bemba. C'est Bemba qui a amené ces pourparlers là, c'est Bemba qui était le point focal. Et l'objectif de Félix, c'est de venir amoindrir les chances de l'opposition au cas où il y a élection aujourd'hui. On ne peut pas laisser le bastion électoral du Bandundu et de Kinshasa seul. Quand on sait ce que lui il appelle le blocus des Swahilifones là est fort, il va falloir que Fayulu vienne partager le vote avec eux. C'est une passe en or qu'il donne à Félix. L'objectif est vraiment de venir fragiliser l'opposition. C'est comme ça qu'il rentre dans la course. C'est comme ça qu'il rentre dans la course. J'ai déjà fait combien de minutes? C'est comme ça qu'il rentre dans la course. 20 minutes. Oh là là. J'ai un dossier important que je voulais évoquer ici. Moïse Katumina, Naba Jakinda là. Mais je suis déjà plus à 1h20 minutes. Un peu plus. Tolobéran lundi. Excusez-moi, je l'avais annoncé, mais je ne peux pas continuer. Tolobéran lundi, c'est un dossier où j'ai des vidéos, où j'ai des images. Ça peut encore me prendre peut-être 20, 15, 20 minutes. Ça fera un peu plus. C'est quand même samedi aujourd'hui. Je suis désolé, hein. Je suis désolé, pardonnez-moi. Tolobéran lundi. Mais ce que je voulais noter ici, avant de revenir sur ces dossiers que je promets, Moïse Katumbi, ce qui se passe dans son parti politique ne rassure pas. Je l'ai dit et je le répète. Le Congo, non, dans le Belango Kaka. Tomoniawa, mbilinga mbilinga, écoute une partie à Moïse Katumbi. Mbilinga mbilinga, écoute une partie à Moïse Katumbi. Jakinda la lobby, nanya lobby. Tola nalon Jakinda la mamba lobby, narozong ato continue. Suivons d'abord Jakinda la et puis on va continuer l'émission. Ici à Kinshasa.
de ce secrétaire général, en complicité avec son équipe, ils imposent des candidats dans la Tchangou, parce que je suis candidat dans la circonscription de la Tchangou, juste parce qu'ils sont, ils ont des accointances. Des gens qui n'ont jamais mobilisé. Même pas une petite manifestation de 50 personnes. On les retrouve sur les listes d'ensemble. Ça ne va pas. Et tous ces gens qui ont fait des sacrifices, des gens qui ont dépensé, des gens qui ont mobilisé leur démarche. Alors ces choses-là, je suis venu pour les dénoncer et dire clairement que je suis vraiment dans tous mes états. Si le président Moïse n'organise pas des concertations ou un cadre des concertations avant la campagne électorale, d'ensemble, on va s'échanger des coups. Et moi, je suis prêt à me battre physiquement, moralement et spirituellement. Pourquoi prêtez-vous à Christian Mwando les intentions de vouloir remplacer Salomon Escadilla? Non, non, mais attends, mais il est haut représentant de Katumbi. On le voit à l'Équateur, on le voit au Congo central. Il va faire quoi? On est en pleine année électorale. Mais Katumbi, il invite dans sa, sa délégation. Il n'a qu'à rester dans les Katanga où il a créé un conflit avec le frère de Katumbi. Les frères de Katumbi, aujourd'hui, ce qui est censé être le coordonnateur provincial du parti dans le haut Katanga, a des problèmes. Il n'est plus actif à cause de Christian Mwando. Il faut qu'on le dise. Monsieur, ici, désormais, je passerai dans les médias pour dire des choses. Et quand on se met autour d'une table pour décider de qui sera candidat, qui ne peut pas l'être, on ne sait même pas m'appeler. Je ne reçois aucun appel. Vous comprenez? Donc, on ne me consulte pas. C'est grave, ça. C'est très grave. Mais qui prend la décision de convoquer les bureaux politiques pour enlever des options? Je crois que c'est le président lui-même qui, pour ce qui concerne le bureau politique. Donc, c'est le président qui n'a plus confiance en vous. Évidemment, c'est ce que je dis. Depuis que je suis coordonnateur de la jeunesse du parti ensemble, je n'ai jamais assisté à une réunion du comité directeur du parti. Je vous le dis. Et je reviendrai ici. Si quelqu'un passe pour dire des bêtises, je reviendrai. Non, je suis quelqu'un de très correct. Je reviendrai. Là, vous venez de suivre M. Jacques Ndala, qui est donc coordonnateur de la jeunesse d'ensemble de M. Moïse Katumbi Tchapoué. Il fait quelques griefs, mais je retiens qu'il donne des ultimatums à Katumbi en disant que le président Katumbi doit organiser des cadres de concertation, sinon, Tokubetana, moi je peux même donner des coups, des choses comme ça. Avant de donner mon point de vue, je vais relever d'abord le côté positif de ce que Jacques Ndala dit. Je l'ai entendu citer Mwando dans une des vidéos. Donc là, il s'attaque à Mwando, il s'attaque au secrétaire général de son parti, en estimant qu'ils ont pris des décisions qui ne valaient pas la peine, qu'il ne fallait pas prendre. Je ne sais pas ce que Jacques reproche à Mwando et à Bolingetengue. Mais me basant sur l'expérience politique récente du pays, je veux attirer l'attention de Moïse Katumbi. Il faut faire attention à ne pas reproduire la triste expérience de ce qu'on a appelé, à l'époque de Kabila, les caciques. Les caciques sont des gens qui, souvent, conduisent à des erreurs. Entendre Jacques Ndala parler, il se fait aussi un groupe de caciques autour de Katumbi, les Mwando, les Bolingeting. Mes chers frères, nous ne voulons plus que demain vous veniez nous dire ici que le président Katumbi est bon, c'est l'entourage. Non, personne n'impose à Katumbi son entourage. Personne n'impose à Fayoulou son entourage. Autant que Félix est allé chercher tous les frappeurs là, c'est lui-même. Kabila prend le pouvoir à 29 ans. Un anglophone qui a une culture anglaise, qui ne connaît pas vos mentalités à Bamiyibi à gauche et à droite, qui était encore jeune, la plupart des erreurs commises sous les règnes de Kabila, ce sont les caciques. Kabila n'avait pas cette culture-là, n'avait pas la culture congolaise. Les erreurs-là, ce sont les caciques. Les caciques. C'est comme ça que j'ai toujours été dur avec Félix Tshisekedi. Kabila encore, on peut l'exonérer. Il n'avait pas la culture, il n'a pas vécu longtemps au Congo. Mais c'était le Moutingeleka ici. Il prenait sa tembo, sa bière, allait à Kamundele la limité. Ayebi pris à tembo, on a pris à Kwanga la limité. Ayebi que Lisanga Bonganga, c'était un opportuniste. Ayebi que Oyazaboy. Il ne pouvait pas tomber en erreur. Donc il quitte cette histoire-là, il va aller prendre les frappeurs, et dans les discours de Jacques Ndala, je sens cette erreur-là des caciques. Monsieur Katumbi, ne reproduisez pas la triste expérience des caciques.
les Mwando, les Bolingetenge, le président doit avoir une capacité managériale de tout le monde. Ne vous entourez pas des caciques et des puissants. Ça pose problème. Ça, c'est le côté positif dans ce que Jacques Ndala a dit. Maintenant, je vais dans le fond. Le Congo se trouve dans un trou. Le Congo a besoin d'un leadership fort. Le Congo a besoin d'un leader capable de taper du poing sur la table. Le Congo n'a pas besoin d'un leadership de compromis. C'est que les cadres d'ensemble font. Ils nous vendent un Katumbi, un homme de compromis. Qui n'est pas ferme dans son propre parti politique. Katumbi, qui n'exprime pas la fermeté dans son propre parti politique. Quand est-ce qu'il aura la fermeté contre les Willy Ngoma et les M23? Si vous êtes incapable de vous montrer ferme dans votre propre parti politique, quand est-ce que vous le serez avec le pays? Si vous êtes incapable de gérer vos propres soldats, quand est-ce que vous serez capable de gérer la République? Le leadership de Katumbi me pose problème avec ses propres gens. Et j'ai toujours été honnête. Quand il y a un problème, je le dis. C'est quel président qu'on intimide tous les jours à la télévision, à qui on donne des ultimatums tous les jours à la télévision? C'est quoi cette histoire, monsieur Katumbi? C'est quoi ça? Vous voulez devenir président de la République alors que vos propres types vous font chanter tous les jours à la télévision tout ça au monde? C'est quoi ça? C'est quel leadership faible comme ça? Un président d'un parti politique qu'on menace tous les jours à la télévision ici, nous tous nous regardons. Quand il sera président de la République un jour dans ce pays, comment il va faire avec le Willy Wenga? Ce qui se passe là ne nous rassure pas. Le leadership de Katumbi commence à être un leadership faible. Ah, je le dis en regardant la télévision. Ça me pose un sérieux problème. La maman ici, princesse, ce qui princesse Nani, et Munongo, Inamizi. Tolali tolamuki, vidéo na ebimi. Oh, aso Katumbi, après ça, il y a une bonne côté. Allez, oh, na longo na président de la Ligue des Jeunes, ce qui Ligue des Femmes, il y a ensemble. Je quitte. Le lendemain, Katumbi les reçoit. Oh, je ne sors plus, je rentre encore président de la Ligue des Jeunes. Chantage. Il a fait plier Katumbi. Tolali tolamuki. C'est Judas Iscariote ici, Francis Kalombo. Judas Iscariote. Tout le monde sait qu'il flirte avec Félix Tshisekedi. Judas Iscariote. Tout le monde sait qu'il est proche de Mama Denise Nyakiro. Judas Iscariote Mounene. Sans position, sans conviction. Il est là pour ses intérêts. Nalongwe ensemble. Nalongwe ensemble. Hé, Azomona na susute. Batinde Batouaké va négocier. Chantage, Azongi sous ensemble. Tolali Tolamouki. Onyemba Laurent. Balongo les porte-parole. Je quitte. Bazouye ba memie na kindu. Bazongi si ensemble. Tolali Tolamouki. Daniel Issafou. Hey, président Katumbi. Après singa imbongote. Hey, hey boy naboye. Je quitte. Ba négocier à Zongi. Eliezer Tambou. C'est monsieur d'Eliezer ici. Soit disant moi na Kolo Lupango. Qui a escroqué le quinoa? Bon, Azon Ressous n'a défini. Eliezer est parti d'ensemble depuis longtemps. Eliezer a commencé à prendre des positions contre ensemble. Katumbi le regardait. Eliezer a participé à la commission à l'Assemblée nationale sur la CENI. Alors qu'il était encore député d'ensemble. Eliezer que vous voyez là. Aucune sanction. Jusqu'au jour, Eliezer a décidé de partir de lui-même. Safou que vous voyez ici, Daniel. Daniel Issafou est allé postuler alors que Katumbi avait des visées pour devenir porte-parole de l'opposition. Daniel Issafou, député d'ensemble, est passé sur Top Congo. Il dit, moi-même je serai candidat, Katumbi doit attendre. Et on sait qu'il le faisait parce qu'il avait pris l'argent chez Janine Mabunda. C'est Mabunda qui l'utilisait. Aucune commission, rien, intimidé. Papa, c'est quel président qui se fait chanter tous les jours par les gens. Monsieur Katumbi. Ces gens connaissent votre faiblesse. Moi, Moukimouké Baningi, c'est à quel Lubumbashi. Tous ils savent qu'il faut faire chanter Katumbi. Il va donner un peu d'argent. Mais attendez, le leadership, c'est aussi avoir la capacité de laisser les gens partir.
que ceux qui veulent partir partent. Oh, et comme quand il me menace, Jacquinda la salée. Sur ma propre chaîne, Jacquinda est venu dire à Zolong ensemble. Laurent Onyemba, na longwe, na kolongwa. Daniel Issafou, na longwe. Inamizi, princesse Inamizi. Na longwe, na nga président de la Ligue des Femmes. Président de... C'est quelle faiblesse ça? Et vous voulez devenir président de mon pays? Vous êtes incapable de corriger même le chantage de ces gens. Incapable d'affirmer l'autorité devant les Daniel Issafou ici et les princesses Inamizi, les Laurent Onyemba et les Judas Iscariot et les Francis Kalombo ici. Ils vous font baloter? Vous voulez que les Congolais vous donnent le Congo? Vous ne savez pas gérer ces gens, vous allez gérer Willy Ngoma. Ah non, 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 ah non. Le Congo est plus important que nous tous. Le Congo est plus important. Le Congo a besoin de la fermeté. Le Congo n'a pas besoin d'un leadership faible. Le Congo n'a pas besoin d'un président de compromis. Le mal dans lequel nous sommes est profond. Il faut tirer les choses au clair. Soit vous êtes blanc, soit vous êtes noir. Les antivaleurs dans lesquelles nous sommes demandent que le président vienne dire non, on ne peut pas faire de compromis entre le mal et le bien. On ne peut pas faire de compromis. On ne peut pas faire. Katumbi ne me rassure pas. Je vous dis la vérité. Hein? Vous comprenez maintenant que Nazara journaliste, vous sentir, hein? Non, 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 non. On ne peut pas. Si Katumbi ne corrige pas ça, son leadership me pose sérieusement problème. Un homme qui se fait chanter publiquement, qui reçoit des menaces, il y a Onyemba, il y a Safou, il y a Eliezer Tambou, il y a... Tous au Congo, tu peux ça y est. 2 345 410 km² de superficie, plus de 100 millions d'habitants. Nous avons plus de 100 groupes armés là-bas, dans l'est de la République. Le président d'ensemble se fait chanter par des gens comme ça, et il veut devenir président de la République démocratique du Congo. Il ne peut pas taper du poing sur la table pour ramener ces gens ici dans l'ordre. Il va taper du poing pour ramener le M23. Ah non, 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 monsieur Katumbi. Non, pas comme ça. Monsieur Katumbi, pas comme ça. Ah non, 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 non. Monsieur Katumbi, non. Non, non, non. Si les gens vous suivent parce que vous leur donnez de l'argent, le Congo n'a pas besoin de ça. Le Congo n'a pas besoin de ça. Donc, Moutoumoura, là, la Mouki, Amélie Sogin, le Ronaï, boy. Hey, Katumbi. Allez, Katumbi, comme Golinga. Kikikikik. Bon, ben, gaïe, à côté, c'est avion. Lubumbashi, hey, à se calmer. Moi, je suis 5000 hommes, à calmer. Moutoumoura, là, la Mouki. Hey, Nalongwe. Kikikikik. Bon, ben, gaïe, Katumbi, aïe. Hein? On revient à Willingo, ma bongo. Et avec ça, Katumbi veut devenir président de ce pays. Comme ça. Comme ça, il veut devenir président de ce pays. Oh non, 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 monsieur. Non, non. Nous n'avons pas besoin de faire des compromis avec le mal. Le Congo, notre mal est profond. Nous n'avons pas besoin de ça. Les Mwando, les ceci, et Mwando, ils viennent, maintenant ils vous entourent comme des caciques. À côté de ces caciques-là, vous avez des charlatans, vous avez des maîtres chanteurs. Des maîtres chanteurs. Excusez-moi. Et vous cédez tout le temps comme ça au chantage. Vous cédez. Vous cédez tout le temps au chantage. Toujours en annoté, parti là-bas ensemble, commission de discipline. J'ai beaucoup de respect pour Mike Mukebai. Mon frère en prison, non, non. Ce monsieur, Mike Mukebai, non. J'ai énormément de respect pour ce monsieur-là. Mike, énormément de respect. Bazu vit la Kinshasa. Alors qu'il y a des intelligences comme Mike, ils ont donné ça à des troubadours. Bapé Sango Iscariot ou à Francis Kalombo. Judas Iscariot. Bozu Francis Kalombo, Bozu Mike Mukebai. Bozangi si bango, Botem si bango. Vous comparez bango? Parce que l'autre c'est un coopérant. Vous allez comparer Francis Kalombo à Mike Mukebai. Bozu ça fou. Zambe Sungambo Kao. Zambe Sungambo Kao. Sungamboka eux. Zamba Sungamboka, parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Jacquine Dalla, ce qu'on a appelé ultimatum. Alors, il y a une concertation qui a été battue.
Ils ont parti à Shane Michael, il y a Triple H, ensemble. Donc, Jackie Azalaganani. Jackie, il y a un qui pomme au père Jackie Nakompe. Jackie Azalaganani, Azali Francis Nganou. Jean-Jacques Jackie Azalaga Cyril Gann. Azaka Connor Marc Grégoire Azaganani. Azaka Triple H Tonini, Jackie Ndalawa Azaganani. Il y a Betakaka Batou. A Betakaka. Il y a un qui Jackie Azalaganani. Mukomso akobeta katumbi. Akobeta katumbi. Ye on apesi katumbi ultimatum alobi. Katumbi, soka bengiswa tuta obeta. Katumbi atinda vyo bakende bameme su na Lubumbashi. Musala na bameme bon meme na Lubumbashi. Allez discuter avec lui à Lubumbashi. Et vous voulez qu'on vous donne le pays comme ça. Vous voulez qu'on vous donne le pays. On vous balote comme ça, on vous fait chanter. On vous fait chanter comme ça. À la télévision. Aucune discipline. Aucune. Aucune commission pour sanctionner ces gens ici. Si vous êtes faible avec ces gens ici, vous vous faites chanter devant nous tous. Et comme le rôle et comme le rôle Toto Mogoboué. Vous voulez qu'on vous donne le Congo? Donc les Willingo masko okusa nini? Obandoti ndaba jetekino ba Willingo mawana ba Makenga wana osala baoni. Osala baoni. C'est pas normal. Je suis pour le Congo. Je suis pour le Congo. Et je considère que mon pays se trouve dans un trou. Mon pays a besoin d'un leadership clair, fort. Mon pays n'a pas besoin d'un leadership de compromis. Nous n'avons pas de compromis à faire avec le mal. Nous avons à établir les frontières entre les antivaleurs, entre le mal et le bon. Nous avons à prendre des décisions courageuses, impopulaires parfois, souvent d'ailleurs, pour changer la culture de ces peuples, de ces pays. Nous avons besoin de quelqu'un qui saura taper du poing sur la table. Nous n'avons pas besoin d'un homme faible qui peut céder à tout chantage, à tout chantage. Nous n'avons pas besoin de ça. Le Congo n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'un leader faible qu'on fait chanter, qu'on fait balancer, qu'on fait balader comme ça. On n'a pas besoin de ça. Pas besoin de cette faiblesse-là. On n'a pas besoin de ça. J'insiste. Comment on n'a pas besoin de ça? Et ce qui se passe ensemble ici me démontre que Katumbi risque de nous amener dans cette situation ici. Si ses propres cadres les vendent dans cette peau-là, d'un homme de compromis, un homme qui cède, qu'on intimide, dans un pays qui a des problèmes de sécurité, on ne peut pas lui donner le pays. Il faut d'abord qu'il commence à nous garantir. On ne peut pas lui donner le pays. On ne peut pas. S'il va amener ce comportement ici, où il y a des maîtres chanteurs autour de lui qui les font trembler, moindre du Kambo, moindre du Kambo. Non, 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 non. Je serai le premier à vous dire Congolais, pas lui, pas lui. Pas lui. Pas lui. Je serai le premier. J'ai toujours été honnête avec moi-même. Ce qui se passe aujourd'hui ensemble me laisse pantois, sans voix. Et ce comportement de Katumbi, si Katumbi ne change pas, est un comportement qui me met mal à l'aise. Qui me démontre que faisons attention. S'il cède au chantage, il y a Laurent Onyemba, il y a Jida Iscariot, Francis Kalombo, Daniel Issafou, Princesse Isamis ici, c'est Inamis ici. Et qu'est-ce que vous allez dire de Mike Mukebai? Mukebai qui est en prison, loin de sa femme et de ses enfants. Qu'est-ce que vous allez dire de Cheribé Okende à l'Alina Malil? Qu'est-ce que vous allez dire de lui? Quand est-ce que Cheribé Okende va prendre encore un jet privé? Qu'est-ce que vous allez dire de ces gens-là? Parce que vous cédez à tout. Vous cédez à tout. Vous cédez à tout. Parce que vous n'avez même pas une commission pour sanctionner les gens. Les gens peuvent passer, raconter leur vie, faire « Hey, 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 boité ». Donc, non, t'as la Kabila, on a des Nazawana. Même Tshisekedi ici, qui n'est pas, qui n'a aucun résultat. Même Tshisekedi qui n'a de sa vie n'avait rien fait. J'ai pas vu les gens passer à l'UDPS et raconter ça et Tshisekedi trembler comme ça. J'ai pas vu ça. Un ancien distributeur de pizza qui n'avait pas d'argent, qui n'a fait jamais, qui n'a pas de diplôme. Mais je n'ai pas vu l'UDPS qui est un parti bouillon, faire marcher Katumbi. Donc comme le roi Mwadjenda Mogoboye, ce qui président Katumbi a salité Nazolongwa.
Ce qui président Katumbi, c'est le cadre de concertation qui est en ce qui président Katumbi, il y a longue président de la Ligue des jeunes. Après, il y a un peu de temps, il y a photo dans ma réseau social. Non, je reviens sur ma décision. Donc, on intimide Naboutou, Namoï, Abanga Bengio. Non, je ne parle plus. J'ai rencontré le président. J'ai rencontré le président. Oh, c'est quoi ça? Laurent Onyemba ba longo les porte-parole là, je quitte ensemble. Akeya Fandi akangi makolobo ya Zimbi. Je quitte ensemble, je quitte ensemble. J'ai vu Mike Mukebail. Bozu avio botier na avio tokei. Laurent Onyemba. Je quitte ensemble. Soki Laurent Onyemba longo ensemble, go changer Katumbi ni. Même Jacques Ndala ici, si Jacques Ndala quitte ensemble aujourd'hui, ça va changer quoi chez Katumbi? Ça va te changer quoi? Si aujourd'hui Jacques Ndala na ba loengé na osala longo ensemble, et au changer Katumbi ni. Il a changé Katumbi. Changé de l'autre. Daniel Issafou ici qui fait des bêtises. Bêtises sur bêtises. Gaffe des gars sur des gars. Sera loin ensemble et rechanger Katumbi. Mais attendez, vous ne pouvez pas nous montrer les ambitions de gérer le pays. Et quand on regarde l'intérieur de votre parti, vous êtes incapable de les gérer. Boyete. Non. Le Congo va mal. Hein. Le Congo va mal. Le Congo va mal, très mal. Le Congo n'a pas besoin de compromis. Non. Pas de compromis avec le mal. Ces maîtres chanteurs qui mettent des casquettes et des soi-disant cadres d'ensemble qui connaissent comment faire trembler leur président. Si eux, ces maîtres chanteurs, peuvent faire trembler Katumbi comme ça, et qu'est-ce qu'on va dire des rebelles là? Si Katumbi devient président de la République, il n'a pas réussi à calmer les ardeurs. Il y a un chantage, il y a un Jacques Ndala, bon, il y a Willingoma. Congolais, à son temps, nous allons ouvrir les yeux. Nous vous dirons pas ça, pas ça, pas ça. Nous allons ouvrir les yeux. C'est là que vous comprendrez qui je suis. C'est là que, là vous allez beaucoup comprendre que pour moi, le Congo est plus important que tout. Le Congo est plus important que tout. Pour moi, le Congo est plus important que tout. Je suis Kassaïen des pères et des mères. Kassaïen des pères et des mères. C'est lui qui est au pouvoir, c'est mon frère. Ce photo qui est dans le monde, il y a moi, Netou, Maseba, grand frère, c'est lui. Pour le Congo, je ne dis pas question. Tu nous amènes le tribalisme. Je ne suis pas un tribal. Pas question. Tu nous amènes l'incompétence, la justice. Le Congo n'a pas besoin de ça. Non, non, pas question. J'ai des problèmes dans ma propre famille pour ma ligne. Pour ma ligne. Pour ma ligne. J'ai dit, hey, le Congo est plus important que le Kassaïa. Le Congo est plus important. C'est lui qui est en train de détruire le pays. Il est Kassaïen, mais il est en train de détruire le pays. Ce n'est pas un problème de Kassaïen, un problème de Katangé. Non, c'est un problème des compatriotes, de l'amour du pays. C'est lui qui n'a pas l'amour du pays. Je n'ai pas l'amour du pays. Je prends mes engagements, je le lui fais remarquer. Il est dictateur, il me pousse à l'exil, j'assume. Je dis. Et là, c'est que Katumbi, ces gens, ces maîtres chanteurs font, je le dis. Fayoulou, je viens de le dire. Moutawa Pesangana Kona critiqué Moutazawa. Il y a Matsaraba Mafou. Il y a Matsaraba Mafou. Il y a Matsaraba Mafou. Il y a Matsaraba. Bon week-end à vous tous. Tout le monde a dit lundi. Allez, bonsoir chez vous. À lundi. Je recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.